marre des haters qui disaient qu'elle était la plus moche des sœurs Kardashian et qu'elle était sûrement adoptée. Profondément touchée par les critiques sur son physique, Khloé Kardashian avait même fondu en larmes lors d'un épisode de l'incroyable famille Kardashian, déclarant à Kim Kardashian, sa sœur, qu'elle en avait assez d'être considérée comme le vilain petit canard de la famille. Déterminée à devenir aussi bombasse que ses frangines, l'ex de Lamar Odom a donc décidé de passer tout son temps libre à la salle de sport. Et de prendre un abonnement illimité chez le chirurgien esthétique familial. Silhouette plus svelte, arrière-train plus rebondi, bouche plus charnue et nez affiné, en l'espace de quelques années, Khloé Kardashian s'est littéralement transformée. Et si est-il le site Radar Online qui a dévoilé la liste des opérations subies par la compagne de Tristan Thompson, et oui, ils sont de nouveau ensemble. D'après le site américain, Coco se serait faite une petite liposuction, Khloé a eu une grosse lipo au niveau de la taille, de l'estomac et de ses jambes. Elle en avait assez d'avoir l'air énorme à côté de ses plus jeunes sœurs. Mais ce n'est pas tout. La starlette américaine aurait également subi un lifting du regard, des injections d'acide hyaluronique dans les lèvres, de rhinoplastie et plusieurs BBL, lifting brésilien des fesses. Khloé Kardashian et son apparence, son coup de gueule sur TikTok. Khloé Kardashian est furax que l'on commente sans cesse son apparence. Le 18 mars 2021, la maman de Trou s'est emparée de son compte TikTok pour dénoncer un article du Daily Mail qui publiait un avant-après de son visage. L'occasion de pousser un coup de gueule, je ne veux pas qu'on me lèche les bottes. Je ne demande pas ça. Mais ce que je demande, si est-il que les gens se rendent compte ce que des articles comme ça font à l'âme et la confiance en soi de quelqu'un. Donc je suis très reconnaissante envers chaque personne qui se lève contre le harcèlement et je dénonce les personnes qui écrivent des articles simplement pour faire du clic. Si est-il dit.